Frère Maxime, yo, bonsoir. Nous comptons ensemble avec vous après-midi qui se sabat 2 décembre pour nous capables ensemble introduire 10e leçon. Juste avant de commencer, nous invitons pour capable baisser tête tout pour nous capable prier. Éternel Dieu, papa nous qui dans celle-là, nous bénissons, nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu pour possibilité que tu nous pour nous offrir un culte jeudi. Alors que nous allons introduire le son pour ce maintenant, nous demandons de vous imprégner nous de cet esprit, de manière à ce que nous puissions comprendre et mettre en pratique tout ce que vous voulez enseigner nous après-midi. Avec nous, dirigez-nous. Nous ne pouvons pas dire, mais si nous prions, c'est dans notre petit tout Jésus, qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Bienvenue, une autre fois encore, Frère Maxime. C'est un plaisir pour nous en savoir avec vous, pour nous capables d'introduire le son pour ce maintenant. 10e leçon qui vient pour titre La mission auprès des non-atteints, première partie. Mission nous, bon côté monde qui peut toucher le message là, première partie. Verset à mémorisation dans Acte 17, verset 24, que nous jouons, il dit Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Eh bien, Luc lui-même qui a décrit Paul qui était à Athènes, ok, eh bien, il écrit que Paul il a parlé dans la synagogue avec Juifs et il a parlé avec moun qui était en crainte pour bon Dieu et sous la place publique chaque jour avec moun que il t'a rencontré. Selon Acte 17, verset 17. Donc, nous voyons que Paul, il était parlé avec toute couche moun, il était parlé avec les juifs, et il était parlé tout avec moun qui pas juif, il était parlé avec surtout moun, il était rencontré sur la place publique. Ça veut dire que Paul, il était trouvé à Athènes, qui c'était une ville païenne, il pat, et il y a une barrière par rapport avec qui est-ce que il était doit prêcher, qui est-ce moun, il était doit toucher de cette bonne nouvelle, de un Jésus ressuscité et qui a venu bientôt. Eh bien, naturellement, Paul, il t'a pi à l'aise pour lui parler à Juifs, pour lui faire une mission pour Juifs seulement. Parce que Paul, lui-même, tout il était juif et il fait juif, donc il était connu qui Jean Juif était, il était connu qui Jean pour être capable de convaincre. Mais nous voyons que Paul t'a refusé pour le contenter seulement pour œuvrer parmi les Juifs. Parmi propre peuple, mais il était appelé pour annoncer l'évangile à l'autre monde tout. Paul était capable de travailler uniquement avec les gentils, monde qui c'est les non-juifs mais qui était voulait accepter message là, des monde qui était gain crainte pour bon Dieu. Un monde ou bien des monde que vision de mon Dieu t'étant subi de changements substantiels, c'est-à-dire des monde qui t'étant commencé à accepter et Jésus, les gentils, pas oublier que les gentils c'est les non juifs, mais qui t'ont accepté message là, des monde qui pas circoncis. Mais Paul t'es qu'à dire comme ça, bon, puisque monde ça déjà touché, on capable œuvrer parmi eux, ok, on capable évangéliser parmi eux. Et il dit nous que il t'a gagné fondement biblique pour que Paul t'es capable appuyer et choix qu'il t'es capable faire, hein? Il dit nous même si avait encore besoin de connaître le Dieu qu'il craignait Jésus le Messie. C'est dit Paul t'a gain droit décider évangéliser un groupe moun et pas évangéliser un autre. Il t'a gain droit choisir qui côté pour aller, qui côté pour parler même Jean ouais que Jonas t'a choisi pour lui te faire route pas parce que alors que bon Dieu t'a bal route pour aller. Mais non, Paul pas rester seulement dans dimension de moun li déjà connaît, moun li déjà à l'aise. Mais on dit nous, les Paul est arrivé à Athènes, une ville qui était connue à l'époque pour sa philosophie, côté que les grands théiers, que ce soit les Platon, les Aristote et tout un monde qui était les grands philosophes à l'époque, eh bien, Athènes, c'était Cafou, côté que Monsieur Sao était qu'on rencontrait. Mais Paul, lui te cherchait également pour annoncer l'évangile à Athènes, côté que moun sa yo, et c'était des moun qui pas connaît bon Dieu, c'était des moun qui gagnait en pile faux Dieu, les dieux du panthéon grec que yo même yo t'a pas servi. Eh bien,
En pile nan yo te gen yon vision du monde différent, radicalement différent de hébreu yo et de histoire sacrée que yo te gagné. Eh bien, nous que Paul li t'a enseigné aux Athéniens. Eh bien, Paul t'a enseigné avec moun sa ki pat konn anyen de Jésus. Eh bien, comment Paul lui-même li arrivé pour témoigner à moun sa yo et que ça nous capable comprendre de tentative sa yo. Chers frères et sœurs, son façon pour yo montrer que et c'est vrai que nous capable choisir pour nous capable gagner un ministère auprès de un groupe de monde. Nous capable choisir catholique, gen moun qui dit m'a prêcher protestant parce que protestant c'est celle ça ba yo pou accepter. Gen moun qui dit m'a prêcher témoin de Jéhovah parce que témoin de Jéhovah yo eh bien et moi qui compte qui j'ai pour me convaincre yo. Gen moun qui dit m'pa prêcher vaudouisan. Gen moun qui dit m'pa prêcher athée. Gen moun qui dit m'pa prêcher maçon loge. Mais chers frères et sœurs, faut qu'on prêche tout le monde. Faut qu'on joigne une façon pour atteindre tout le monde. C'est ça qui fait leçon pour ce maintenant, il y a pour titre la mission auprès des non atteints. Parce que, il y a un groupe de monde qui peut qu'on atteindre. Il y a un groupe de monde qui a prêché ou dit comme ça, mais ça j'en pas pour eux. Il y a un groupe de monde qui a prêché ou dit comme ça, monde ça y a peut-être, il y a un pour recevoir un message là. Mais chers frères et sœurs, essayez prêcher les non atteints. Même j'en vois que semaine passée, hein, et faut que nous prêchions les riches, faut que nous prêchions les puissants, et bien faut que nous cherchions qu'on est qui groupe de monde qui peut atteindre, qui peut toucher de l'évangile de manière à ce que nous capables l'évangile tout. Et bien le sens maintenant, lui présentez nous et raison qui fait que nous même tout, nous même Jean-Paul t'es qu'on a fait pour nous prêcher les monde qui peut toucher. Demain si Dieu veut qui a dimanche 3 décembre nous ap étudier un hébreu à Athènes. Lundi 4 décembre, nous ap étudier Paul dans l'aéropage. Mardi 5 décembre, nous ap étudier Paul et le Dieu inconnu. Mercredi 6 décembre, nous ap étudier la présentation de nouveau Dieu. Jeudi 7 décembre, nous ap étudier franchir une ligne. Vendredi, comme d'habitude, c'est des réflexions avancées qui a fait sous le son. Donc, chers frères et sœurs, nous déjà invitons pour capable étudier ensemble avec nous chaque jour et de manière à ce que vous capable comprendre et armer pour capable aller prêcher. Questionnaire ça m'a dit pour prêcher. Questionnaire ça m'a dit pour et distribuer feuillet. Questionnaire ça m'a dit pour toucher tout groupe monde parce que bon Dieu et voulait que nous prêchions pour nous prêcher tout le monde, Jésus mourit pour tout le monde. Donc, en nous kebe étendant l'évangile en haut, parce que c'est motivation nous sur cette terre de misère, de péché, de souffrance, chers frères et sœurs. Eh bien, pour nous capables finir, nous invitons pour capables baisser tête pour nous capables prier. Éternel Dieu, Papa nous qui dans celle-là, merci parce que vous appelez nous pour nous capables prêcher toute catégorie monde, Seigneur. Papa, armez-nous de force, d'ardeur, de et toutes les armes de l'esprit de manière à ce que nous capables prêcher, de manière à ce que étant dans l'évangile nous capables porter le gros Seigneur. Bénis chaque frère et sœur, bénis chaque monde qui t'a étudié, qui t'a introduit le son ensemble avec nous après-midi. Seigneur Dieu, fais grâce, exaucez, pardonnez. Nous pas bon pas dit, mais si nous prions, c'est le nom petit tout Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, merci chers frères et sœurs. Nous espérons que vous étudiez avec nous chaque jour, à partager le son de manière à ce que tout l'autre monde soit capable de toucher de message. C'était Foi Ismaël, chéri. Que bon Dieu bénisse.